Histoire du Luberon. Si l'on en croit les historiens, le Luberon commence à être habité au Paléolithique, c'est-à-dire dès 200 000 avant Jésus-Christ. L'être humain vit alors dans des cavernes semi-ouvertes, les baumes du Luberon. La plus connue, la baume des Peyrares à Buhou. La combe de Lourmarin et les grottes des gorges du Régalon et du Calavon ont abrité les hommes de l'époque de la pierre taillée et leur ont servi de lieu de sépulture. L'élevage et l'agriculture sont pratiqués dès le début du Néolithique, de 6000 à 1800 avant Jésus-Christ. Le Luberon devient très vite une région de transit et d'échanges commerciaux et culturels. Des Phéniciens et des Grecs s'installent dans la région, dès 1200 avant Jésus-Christ. L'avance des Celtes modifie les positions des autochtones, les Ligures. L'âge de fer, de 900 à 500 avant Jésus-Christ prend place, s'ensuit un grand brassage de peuples. Les Phocéens appellent les Romains à leur secours, les tribus celto-ligures les menacent. Les guerres qui s'ensuivent génèrent des aménagements du territoire, routes, ponts et villes. Le pouvoir romain décline, les invasions commencent et suivent plusieurs siècles de violence en Provence. Les Alamans, les Francs puis les Burgondes, les Visigoths, les Ostrogoths et à nouveau les Francs sévissent. Les populations se réfugient dans la montagne. Puis surgissent les Lombards et les Saxons après quelques trêves. Le christianisme se diffuse et la conversion de l'empereur Constantin contribue à en faire la religion en place. S'ensuit une profonde modification de la politique et de l'administratif. L'ardeur de la foi chrétienne se vivifie sensiblement. Les Sarrasins envahissent la vallée du Calavon, et Apta Julia, Apte, est incendiée pour la deuxième fois. À la fin du IXe siècle, elle est entièrement détruite. À cette époque, la Provence devient une principauté indépendante. L'empereur s'en occupe de loin. Le changement de millénaire se fait dans un calme relatif. Le pouvoir religieux domine toujours. Au début du XIe siècle, on peut reconstruire les églises d'Apt et de Pertuis, ainsi que celles de nombreuses autres villes, grâce à de généreux dons. On utilise les pierres des carrières des Taillades et de Ménerbe. Le pouvoir seigneurial s'installe et profite des nombreux escarpements de la montagne Luberon, pour construire ses places fortes et dominées. Des traités successifs morcellent la région. Les comtes de Fort-Calquier, de Provence et de Toulouse se la partagent. Le XIIIe siècle voit l'économie locale se régénérer, on recommence à cultiver les terres et à défricher. Les ordres religieux participent activement à ces actions. Les villes s'ouvrent au commerce. Un équilibre s'installe entre le pouvoir en place et les inféodés. Cette phase s'achève avec l'arrivée des papes à Avignon et 30 ans plus tard, de la peste dont on accuse les juifs, s'en suivent des représailles. Les règlements de l'Église se rigidifient nettement. Des bandes armées sévissent pendant 20 ans, attaquant paysans et places fortes. Les campagnes sont dangereuses, la population se réduit considérablement. Une certaine pacification s'opère vers la moitié du XVe siècle, dans la deuxième partie duquel se normalisent les activités, avec l'installation de plusieurs verreries et la dévastation des bois conséquentes. En 1481, le comté de Provence est rattaché à la France et la densité de population s'accroît sensiblement. Une nouvelle bourgeoisie substitue les familles en place. Les ordres religieux souffrent du manque de main-d'œuvre et ce sont les paysans des régions alpines qui descendent peupler et travailler les terres de Provence avec contrat à l'appui. Fait remarquable, ces paysans sont essentiellement des Vaudois, êtres humbles et efficaces qui firent prospérer la région. L'entente entre catholiques et ceux-ci est bonne mais la guerre civile s'approche. En effet, au milieu du XIIe siècle, Pierre Valdo diffuse une dissidence religieuse et prône un certain détachement matériel. Il fait rapidement école et de vives contestations du faste des instances religieuses fleurissent. Les sacrements, l'adoration de l'hostie, le baptême à la naissance, la papauté, la confession auriculaire, sont remis en question. L'Église réagit interdisant le prêche de ses idées. Une des principales idées du valdéisme est la contestation du monopole de l'Église sur les textes sacrés. Tout le monde doit pouvoir y accéder. Après quelques décennies, les Vaudois rallient le protestantisme et de dures luttes avec les catholiques se présentent pendant près de 80 ans. Le XVIe siècle voit la fin des guerres de religion. Le pouvoir régional est centralisé à Aix, la noblesse prolifère, de nouveaux ordres religieux apparaissent, le pouvoir national renforce sa présence à Paris.
Les persécutions sur les protestants se ravivent. Ignace de Foresta, à la fin du XVIIe, génère indirectement un fort courant de réformes culturelles dans le Luberon. En 1720, la peste sévit pour la seconde fois et affecte beaucoup la région, générant morts et endettements. À la Révolution, les idées humanistes séduisent les provençaux, mais dès que celle-ci se durcit, tous n'adhèrent plus. En 1790, Apt et Pertuis, toutes deux appartenant aux Bouches-du-Rhône, se disputent le pouvoir de chef-lieu. Apt l'emporte. En 1792, les restes du schéma seigneurial sont annihilés, des châteaux sont détruits. En 1793, le département de Vaucluse est créé et Apt en est un des chefs-lieux. De nombreuses contestations de la Convention voient le jour et des répressions y répondent. La fin du XVIIIe voit un grand défilé de dirigeants et de conseils, au gré des mouvements nationaux. Le début du XIXe voit le brigandage sévir et son cortège d'insécurité. Cependant, l'agriculture se redéveloppe, certaines industries aussi. Le développement des moyens et voies de transport, ainsi que le désintéressement des bourgeois pour la culture provençale, génère un vaste exode rural à partir de 1850. La reconnaissance du pouvoir du Second Empire est partielle et celui-ci réagit violemment. De nombreuses activités disparaissent, les types de cultures changent, la technique des terrasses disparaît entre 1914 et 1939. La résistance est très opérante et puissante dans la région pendant la Seconde Guerre mondiale, en effet les idéaux de liberté y sont très vifs depuis fort longtemps.